dans la deuxième partie numéro rubrique si là côté nous pral continuer suivre à docteur Farah Armand Louis sous impact pollution sonore a gagné sous santé nous. Qui conséquence qui gagne pour à pollution sonore sous organisme docteur Louis? OK, il y a des conséquences diverses. D'abord, on va parler des conséquences en bruit, c'est un facteur de risque lié pour vous développer maladie tant pour hypertension, tant pour tension artérielle. Et bruit est capable de développer des maladies coronariennes, ça veut dire des maladies dans le vaisseau sanguin, qui peut descendre au niveau cœur. C'est bruit capable de développer diabète. Et du point de vue psychique, bruit capable de voir au monde, bruit capable de nous très nerveux, très irritable, et capable même de faire dépression, capable de tachycardie avec le cœur à battre fort. Et vous capable fort ou distrait ou fort très distrait et grand pile effet que vous capable faire sur l'organisme et puis grand effet et qui vraiment peut-être capable très rapide que vous capable fort capable gagner sur l'organisme et fort perdre audition. OK, c'est une pic ou ennemi audition nous gagner, c'est le bruit. Et bruit capable faire soit perdre audition tout de suite dépendamment de l'exposition ou te gagner à bruit par rapport à bruit ou bien à la longue son audition que on peut perdre au fur et à mesure. Qui gens nous capables d'éviter pollution sonore? Okay. Alors, les bon bagages qui très facile non pour éviter parce que c'est des choses inévitables. Faut sortir, faut aller travailler, faut prendre machine pour aller au travail. Ou bagages ou pas monter bus, sous pas une machine privée quand on monte toute vidéo. Ok, donc ça veut dire que c'est des bagages qui très difficile pour obligé, c'est pas obligé de faire, obligé à l'église, obligé à manger, obligé à travailler, si vous avez un environnement bon, si vous êtes obligé à l'école, donc obligé de prendre tap, obligé de prendre moto, si c'est moto qui prend, donc il est inévitable. Mais ça qui est important, c'est que vous-même, vous avez besoin de connaître qui moyen pour protéger la tête. Comme je dis, c'est que dès qu'on est exposé à des sons très forts, il faut toujours systématiquement protéger les oreilles. Parce que en fait c'est bruit hein, qui parle effet sur organisme et sur audition tout. Donc faut protéger. Donc il y a des casques anti bruit, faut des bouchons d'oreille exposés ou bien un bagage qui plus discret. C'est des ça des bouchons d'oreille, c'est des petits bouchons qu'on capable mettre, il toujours mettre disponible dans avion et disponible tout en Haïti pour acheter dans pharmacie. Donc on mettez des bouchons d'oreille. J'aime dire déjà bouchons d'oreille là diminué et amplitude de pratiquement 30 décibels. OK, donc vous capable utiliser des bouchons d'oreille et des casques anti bruit. Et l'autre bagage là toutes les fois pour éviter un environnement bruyant, c'est éviter. Et si vraiment vous obligez un espace qui bruyant, faut accepter prendre des pauses de temps en temps parce que continuité son. OK, rester exposé pendant longtemps, le temps d'exposition est très important dans survenu n'importe quelle que soit maladie qui vient sur moi. Qui gens population capable protéger tête li contre pollution sonore? Et donc ça m'a dit que m'a dit que m'ta remet que audition population vient en priorité mais dans tout pays c'est l'État qui gère bagaille ça nous même population et citoyens nous pas que pour n'a réfléchir sur affaire on parle non côté gain son mais l'État supposé chaque côté gain bruit au niveau de bruit pour gagner par exemple l'église je suppose qu'on est de fonctionner à 60 décibels donc c'est quelque chose qui relève d'abord de l'État. C'est l'État qui réglemente et bah tout bagage ça que son côté ou pas gain auditoire bon quantité de décibels ou supposé pas dépasser. Par exemple on dit que ou fait une formation mais si ou font bagage pour apprendre ou pas proposer mon bagage capable détruire tout. Donc faut qu'on balance qui fait. Si par exemple présenter carnaval, ou va faire carnaval, ou voulez que peuple là bah on distraction à peuple là, mais en même temps tout ça va détruire audition mon yo et va gagner fait une face en retour sur santé mon yo. Donc on pense qu'on balance qui besoin fait dans ça. Donc moi pense que non seulement ça, un gros travail qui pour chita qui pour fait pour capable réglementer pour des lois faites sous bruit, sous son, sous pour réglementer espace ou institution qui produit bruit, le supposé chita et yo peut gagner des réglementations, que pas supposé et supposé non seulement gagner réglementation, mais gagner des peines tout qui doit prévoir au cas où violer loi ça yo, gagner des peines parce que si par exemple un voisin qui bruyant, non seulement par exemple gagner monde qui gagne doit mettre des bruit très fort, des musiques très 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 fort, non pas aucun recours. Alors que on gagne et ça qu'a fait là, activité gagne des faits sous santé, non pas aucun recours obligé rester là à subir.
un message pour la population et tout acteur qui produit son dans la communauté. En fait, quel message nous avons fait passer? Bon, en fait, il est très important que tout le monde, quel que soit le monde, que ces acteurs politiques, les gens qui prennent des décisions pour nous, que c'est alors, au niveau gouvernemental, que c'est artistes nous qui prennent nous en pile plaisir, qui cherchent des distractions pour nous, que c'est nous-mêmes tous qui pouvons participer ou bien qui bénéficier ou bien qui vivre des citoyens, même si on parle de gens d'activité, mais qui vivent dans un environnement bouillant. L'important pour nous connaître que le plus gros ennemi, audition nous, c'est bruit. Et nous avons besoin de connaître tout que bruit, il y a un pile effet qui néfaste sur l'organisme. Ok? On pourrait que bruit capable fort l'homme vivant dans un environnement très bruyant ou capable de développer tension artérielle. Et une tension artérielle capable fort fonce trop qui est capable de mourir dans ça. Donc ça veut dire que bruit capable d'avoir des problèmes qui tellement graves qui quand même cause qu'on perd la vie. Donc il est très important pour nous connaître que au niveau son que nous pas supposé être non seulement longtemps exposé à lui-même mais si par mégarde nous exposé à lui-même. Nous supposons non seulement porter attention à qui fait la personne, surtout aux auditions, pour nous être immédiatement spécialistes dans le domaine, mais le plus que possible, éviter d'être exposé à des sons très puissants. Niveau son qui est normal et qui est acceptable, qui est sans danger pour nos oreilles, pour nous, c'est entre 50 et 70 décibels. Au-delà de 70 décibels, son ça va commencer soit dangereux, soit nocif. Pour organiser et vous parlez non seulement ban nous des problèmes peut-être à moyen terme donc vous avez des problèmes à court terme qui peuvent tuer mais aussi qui peuvent des problèmes à long terme et même peuvent tuer donc il est très important pour nous porter attention à son que n'a coûté les n'a coûté dans casio descend volume là moitié appareil là le nous parlons dans environnement très bruyant pas oublier toujours marcher avec des bouchons d'oreilles, ça va protéger l'audition, nous, va diminuer la quantité de son qui arrive à 30 décibels, donc c'est déjà quand même une protection. Les travaillons dans une zone, dans des institutions qui génèrent un pile bruit, dans usine, dans factory, dans ce chantier, yo, toujours porter des casques anti-bruit systématiquement. Les pour arriver, on met des casques et avant aller, on retirer. Et même si on a un bus, une machine qui fait un pile bruit, on est capable de s'il le faut, s'il est possible, m'en développer ces volumes-là ou bien ou même protéger l'audition avec un casque ou un bouchon d'oreille. Merci à chaque grand monde qui t'a partagé le contenu ici là sur la plateforme numérique pour aider la population à comprendre plus bien comment pour protéger la tête face à gros bruit qui dérange les oreilles. Jean-Docteur Louis Fekonel, c'est l'État haïtien qui doit prendre toutes dispositions pour protéger la population devant le danger si là. Dans la réglementation, dans le projet de loi pour protéger les citoyens et l'environnement de tout bruit qui a dérangé et puis comment pour l'espace qui produit un pile bruit fonctionner, même s'il est important tout pour nous connaître. Qui ça nous doit faire les nous face à danger ça yo. Merci, c'était ensemble avec vous Lovely Stanley Numa, journaliste écologique, PDG Impulse Webpedia qui t'a porté rubrique santé et environnement ça pour nous à travers projet sensibilisation sur protection environnement, développement durable et changement climatique yo qui porté nom une Haïti durable dans une planète verte. Pour te servir, n'attends-nous pour un prochain numéro.